Donc Revalor est une association qui a été créée en septembre 2019. On fait principalement du démantèlement de déchets du bâtiment, notamment des huisseries. Et donc on désosse intégralement des huisseries de manière à récupérer le PVC, l'alu, le bois, le verre, les matériaux ferreux et les réintroduire en matière unitaire dans des nouveaux procédés de fabrication. Nous avons rejoint la plateforme Territoire de Solidarité dans le but de trouver le budget pour créer un site internet marchand. Puisqu'en commençant l'activité, nous nous sommes rapidement rendus compte que bon nombre des matériaux qui passent chez nous mériteraient d'avoir une seconde vie avant d'être démantelés et donc détruits. En participant à ce projet, vous aurez une action à la fois sur l'économie circulaire et solidaire. Solidaire en deux points, puisque nous accueillons à Revalor, atelier chantier d'insertion, des personnes très éloignées de l'emploi, à qui nous donnons la possibilité, sur un parcours de 2 ans maximum, de réapprendre les exigences du monde du travail, et également de travailler sur leurs projets professionnels, avec un accompagnement dédié, de manière à sortir vers un emploi durable. Et d'un point de vue économie circulaire, puisque nous travaillons avec des professionnels de la région, nous détournons ces déchets de l'enfouissement et donc c'est un geste à la fois pour l'environnement et pour l'économie locale. La valeur que je donnerais à ce geste, c'est un geste à la fois pour l'économie sociale et solidaire.